Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de demander une frappe aérienne sur un char d'assaut. Donc les frappes aériennes, c'est tout simplement ce nouvel item qui est apparu aujourd'hui, enfin cette semaine sur Fortnite. Donc c'est un item frappe aérienne. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous en procurer. Donc vous pouvez en trouver posé au sol comme ça sur l'île de Fortnite. Vous pouvez en trouver dans des coffres et vous pouvez aussi en trouver dans les ravitaillements. Donc quand vous avez un dispositif de frappe aérienne, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un char d'assaut. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars d'assaut de Fortnite saison 2 chapitre 3. Donc quand vous avez ce dispositif, vous vous rendez près de un des emplacements que je vous ai montré sur la mini carte, et là ce que vous allez faire, c'est tout simplement lancer une frappe aérienne sur le char d'assaut. Donc logiquement, je pense que vous n'êtes pas obligé que le char d'assaut soit contrôlé par un adversaire ou par un garde de l'IO. Même s'il n'est pas contrôlé par quelqu'un, je pense que vous pouvez lancer la frappe aérienne dessus pour terminer le défi. Et vous avez juste à le faire une fois pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.